j'ai quitté la mairie et là je me dirige à pied vers Ala du coup. Ça me fait 3 km. Donc on va essayer d'y aller à pied plutôt que reprendre, faire un détour, reprendre un train à la gare, etc. Donc pourquoi pas. Je suis encore bon et je suis un peu moins chaud parce que le soleil a bien baissé. Et voilà. Donc je regarde ce que par où je vais, pardon. Et à la du coup, on va voir ce qu'on fait, soit... Enfin, de toute façon, je sais que je vais me prendre une crêpe, c'est pour ça que j'ai eu en fait. C'est mon petit plaisir de la journée. J'espère que je peux passer par là, oui, c'est pas grave. Et puis après, si il fait encore jour, pourquoi pas aller au temple Meiji pour vous montrer ce que c'est. Et peut-être que je prendrai des takoyaki là-bas. Dans mes souvenirs, il y avait un très bon stand de takoyaki à l'entrée de la radio du coup, donc peut-être ce sera mon repas ce soir. Je vais voir, je vais voir comment on avance. Puis je vous tiens au courant. Salut! Le gros 4x4, c'est très pratique dans Tokyo. C'est sûr qu'on en a besoin ici.
exactement là où je voulais. J'ai pris des takoyaki. Exactement, takoyaki fromage. Donc je vais manger ça. Et puis après, on va aller prendre une crêpe. Alors, est-ce que je goûte maintenant devant vous le takoyaki, quitte à me brûler devant vous, je sais pas. Non, je vous reprends dès que j'en aurai mangé au moins un, pour pas prendre trop la honte devant vous. A tout de suite. Pour que vous puissiez voir ce qu'il y a dedans. Comme ça, ça a pas l'air très appétissant, mais c'est très bon. Fini les takoyaki. Maintenant, on va aller manger notre crêpe. Je vous retrouve quand on est devant le magasin. Le Mac Sweet Matcha. Ce sera un truc à tester aussi. J'ai bien envie de tester. Bon. Avant de passer aux crêpes, on va s'arrêter au Daiso. Voir ce qu'ils ont juste au premier. Enfin, juste au, à notre niveau. On va pas monter et tout, mais on va regarder ce qu'ils ont. Prendre la 9, je prends celle-là, Matcha. Oh, c'est marrant ça. J'ai ma crêpe. Glace au matcha. Gâteau matcha. Et chantilly. Je vais la manger sur le chemin du retour et puis on se retrouve sûrement à Kamata. A tout à l'heure. Bon bah voilà, je suis rentrée à Kamata. Alors la crêpe, elle était très bonne. Elle était vraiment très très bonne. Le gâteau matcha était vraiment très très bon. La glace aussi très très bonne. La crêpe bien épaisse, délicieuse. Après, c'est plus la chantilly qui m'a posé un petit problème, on va dire. C'est qu'il y en avait beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et au bout d'un moment, c'est assez écœurant. Parce que déjà, ça n'a pas beaucoup de goût, la chantilly. Et je pense qu'elle est très très grasse. Donc quand il n'y avait plus la glace et plus le gâteau matcha qui restait plus que la crêpe et la chantilly à la fin, c'était un peu plus dur à manger quand même. Mais bon, ça restait vraiment une très très bonne crêpe. J'irai en chercher d'autres. Et puis donc les takoyaki, c'était très très bon aussi. La prochaine fois, j'essaierai classique plutôt qu'au fromage. Mais ouais, c'est vraiment un endroit que j'aime beaucoup pour manger les takoyaki. Ils sont vraiment très très bons. Alors, au programme ces prochains jours, parce qu'il y a eu de nombreux changements dans mon planning. Alors demain, je vais pas vous dire où on va, c'est une surprise. Vous verrez dans la vidéo en fait, voilà, c'est surprise. Au départ, on devait aller à un festival de fleurs, à côté du Mont Fuji. Et c'est potentiellement décalé à la semaine prochaine. Je dis potentiellement parce que comme je l'ai dit dans la vidéo, au moment j'ai voulu aller chercher en fait les billets de bus. Et quand je suis allée au guichet pour demander, enfin là où je pensais que je pouvais prendre les tickets, en fait j'ai pas compris ce que m'a dit la vendeuse. Je sais pas si juste j'étais au mauvais endroit ou si je pouvais pas prendre les billets en avance. Et voilà, quand ça concerne le bus, j'ai tendance à commencer un petit peu à paniquer. Et du coup, j'ai pas du tout compris mais un seul mot de ce qu'elle m'a dit parce que du moment où je me suis dit, ah mince, je suis pas au bon endroit, ça y est, j'ai commencé à paniquer. C'est vrai que le bus, c'est quelque chose qui me fait assez peur en fait, prendre le bus. C'est pour ça que ce matin, bon, j'ai préféré pas le prendre. Je suis vraiment, comme je l'ai dit, j'ai un peu dégoûtée parce que je voulais vraiment aller au Mont Zao, mais je me sentais pas capable de prendre ce risque et d'être bloquée là-bas ou voilà, et courir partout, je pas savoir où il fallait aller, donc voilà. Et donc pour ce festival là, j'ai vraiment envie d'y aller, mais pour l'instant c'est mal parti parce que si j'arrive pas à avoir de billets de bus, je peux potentiellement y aller par train, mais à un moment ou un autre va falloir prendre le bus à la fin. Donc soit j'essaye vraiment d'y aller en train un maximum et puis après essayer de prendre le bus, soit je sais pas du tout, là j'avoue je suis un peu bloquée, donc j'ai une semaine pour y réfléchir, voilà. Et donc la suite du programme après demain on part tout au nord, dans le Tohoku, tout au nord du Tohoku, hein, pas Hokkaido mais on reste
sur Honshu, on va tout au nord. On va à Aoi pour la journée, première journée, enfin demi-journée, puisque il y a quand même 4 ou 5 heures de train. Donc la matinée, ce sera train, l'après-midi, ce sera visite à Aomori. On dort sur place. Pardon. Le lendemain, on va à Morioka. Morioka, c'est une ville un petit peu en dessous. On va dire entre Aomori et Fukushima. Là-bas, potentiellement, il y aurait des activités à faire. Il faut juste que je trouve l'endroit. Mais il y aurait potentiellement un endroit où on peut faire plein d'activités, du tissage, de la poterie, tout ça. Donc, il faut que je continue à me renseigner pour voir. On dormirait aussi à Morioka, pardon. Et le lendemain, le dernier jour, on irait dans la préfecture de Iwate. Et on irait à Tono. Tono, c'est une petite ville en fait où on peut pêcher le kappa. Alors je vous expliquerai bon, dans 2-3 jours qu'est-ce que c'est le kappa. C'est une bête, enfin une créature fantastique japonaise. Donc voilà, je vais essayer d'aller pêcher le kappa à Tono. Et après, bah, on reviendra ici pour enchaîner les 2 jours suivants dans la préfecture de Fukushima. Voilà, mais on en reparlera un peu plus tard. Donc pour l'instant, déjà demain, c'est surprise. Alors, ben je vous souhaite une bonne soirée à tous. Reposez-vous bien, moi aussi je vais me reposer. Et puis on se retrouve demain pour la surprise. Bye bye!